Bien, donc là je vais oublier que j'ai déjà fait le script, je vais d'ailleurs le renommer. Voilà, comme ça on va démarrer tous ensemble pour faire le script. Je vais faire fichier version précédente, donc c'est vraiment l'image que vous avez téléchargée là, que j'ai ouverte. Et je vais mettre au point le script avec cette image, mais on est d'accord que le script sera applicable sur n'importe quelle autre image par la suite. C'est simplement plus facile pour faire le script d'avoir une vraie image sous les yeux, quoi. C'est ça l'idée. Donc, vous allez chercher la palette action, menu fenêtre action. Vous aurez besoin de la palette des calques aussi qui est affichée. Alors, dans la palette action, vous avez le bouton pour faire un script, mais on va d'abord faire un ensemble de scripts. Donc, on clique sur l'icône de petit dossier ici. Voilà. Et on vous demande le nom de l'ensemble de scripts, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je l'appelle effet pochoir. Donc je pourrais avoir dans cet ensemble plusieurs scripts qui concernent les effets pochoirs.